culture, s'il n'y a pas d'aplomb, on la lit mal. Et donc, l'aplomb était primordial. Alors, quand je fais quelqu'un qui marche, je cherche son aplomb et une fierté en lui, quoi. J'essaye de la transmettre aux personnes qui la regardent, en tous les cas, cette fierté. C'est toujours des personnes qui sont fières de marcher, d'avancer. Je suis très honoré de pouvoir exposer dans ce quartier magnifique qui est Saint-Germain-des-Prés, dédié aux arts. Je me suis assez vite aperçu que la sculpture était lourde et qu'il fallait trouver quelque chose pour la rendre plus légère. La légèreté rentrait dans ma sculpture, la légèreté, surtout la lumière, par le vide qu'elle créait, quoi. Accompagnée d'une valise, on a le sentiment de voyager à travers cette sculpture. Et le vide, il est interprété d'une façon si différente par toutes les personnes. Je pense que quand j'ai trouvé cette représentation, je me suis aperçu que cette sculpture, elle me ressemblait, que c'était moi, mais que c'était aussi les autres. Si j'aurais la possibilité de faire des milliers de personnes, je le ferais. Et je crois que je suis en train d'arriver, même, de presque de 500 personnages que j'ai pu réaliser. Donc ça fait 500 petits personnages qui s'en vont là-dedans, à travers le monde, que je représente, et qui sont solides, alors que moi je ne suis pas solide, que je vais me désagréger bientôt. Je pense que j'ai fait de la sculpture aussi pour laisser une trace derrière moi.